Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à Playrooms, un nouvel épisode de Starbound V4 Pleased Giraffe. Donc, la dernière fois nous avions recherché quelques petits objets, donc vous pouvez voir que j'ai perdu quelques pixels. Pourquoi? Eh bien, j'ai tout simplement commencé à intégrer tout ça donc dans le 3D printer. Donc, il nous fallait ramener 20 core fragments, donc creeper. Hop, voilà. Parfait. Maintenant, la prochaine fois, on devra réparer donc le système de voyage plus vite que la lumière, donc le ce qui nous permet d'aller plus vite que la lumière, simplement. D'accord. Donc, Hercules Crystals. Upgrade MM Power. One Manipulator Model. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, déjà, on peut ouvrir. Bonjour, l'ami. Ici, qu'est-ce qu'on a? Où sommes-nous? Ah bah tiens, on va aller sur la planète de type désert, juste à côté. Allons voir. Oh, elle fait pas la gueule. Donc voilà, j'ai assemblé quelques petits... Enfin, j'ai fait quelques petites modifications, on va dire. J'ai rangé ce qui était important. Il nous en faut 20 et un diamant, si je ne me trompe pas. C'est ça. Non, 10 et un diamant. Ah, attendez, on peut le faire. Ah! Bah, c'est pas un manipulateur module? Bah, je l'ai pas fait! Bah alors? Voilà! Ok! Deux manipulateurs modules! D'accord! Bon, je m'en fous, j'ai amélioré la puissance du truc. Pour l'instant, on va juste descendre. Et nous voilà partis. Intéressant. Intéressant. Il y a ici des choses qui m'intéressent. Ce charbon, en l'occurrence, est extrêmement intéressant. Alors. Parfait. Allons-y. Par la gauche. Oula, mais c'est qu'il y a du monde. Alors, d'après ce que j'en ai vu, on a bien choisi notre... Pas tant que ça, en fait. Intéressant. Oh, le fond est à changer. Donc ils ont changé ça aussi, chers amis, depuis les autres épisodes. Le fond est beaucoup mieux, simplement. Et ça se sent. Qu'est-ce que ça se sent? Dis donc. Ce sont des vautours. Je crois que je l'ai touché. Alors, qu'est-ce que c'est? Une tombe? Une pyramide, quoi, littéralement. Ce tombeau sera votre tombeau. Hop. Voilà. Rien de bien extrêmement intéressant. Hein. Hormis les cubes en question, mais bon. Il ne m'intéresse pas. Ah, je l'ai pris pour une plante, quel con. Touché. Touché aussi. Au moins, il restera en bas. Ça, c'est fait. Ah, c'est dommage, j'aurais dû faire une animation, enfin un truc pour ça. Pour savoir quel niveau... Quel niveau on avait... Waouh! Bonjour! Je ne te pille pas, hein, ne t'inquiète pas. Sois rassuré. La lumière était sublime.
Tout ça, c'est sublime aussi. Dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Des tomates. Bon, les tomates. Ici, quelques pixels dans l'évier, c'est logique. Et le plus important, les chiottes. Et ceci. Parfait. Bonjour, madame. Bon, c'est cool, merci. Oh. Hop là. Ah, on a débloqué des nouveaux types d'armures. Intéressant. Merci de faire ton kéké dans ma rue. Voyons voir. Parce que moi je suis en train de réfléchir à un truc. Enfin, à ce que je sais de... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un ancien pont, c'est marrant. C'est vraiment sympa. Le cactus, je peux en récupérer? Apparemment oui. Parfait. Alors là-dedans, il y a une tempête de sable de la mort. Hop. Ah. Génial. Ouah, génial, 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 chers amis. Parfait, on aura beaucoup moins de problèmes d'éclairage. Halogen pack. Ah. Comment on le construit ce truc là? J'imagine qu'il faudra rentrer pour le savoir. Je vérifie juste. Oui. Intéressant quand même. Ok, donc j'ai vu un boss. Vite du soin. Voilà. Donc là, il y a le boss. Est-ce qu'avec... Non mais oh. Respecte-moi un minimum. Avec un peu de chance, je peux peut-être le shoot de là en fait. Boss. Hop. Voyons voir. Ça risque de prendre son temps par contre. Hein. Oui, non, mais t'enfuis pas non plus. Après, c'est... Le but, c'est que je te bute, justement. Ouais ? Ok ? Saute. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as lâché? Necrolix Skullwrecker. Oh, un fusil de sniper. J'ai jamais été fan des fusils de sniper dans ce jeu. Mais bon, hé, sait-on jamais, hein. Il est bleu. 8. Ça peut peut-être être sympa. A vrai dire, j'y croyais pas, chers amis. Tant vous le dire. N'ayez crainte, cher... cher Floran. Oh putain. J'ai pas de quoi vous tuer tout de suite. Vous êtes extrêmement chanceux. Pas moi qui me fais tirer dessus, rassurez-moi. Bon, c'est beau l'amour. Putain.
Ils sont trop nombreux, je vais pas avoir le niveau pour le rayer de la carte, ils vont devoir survivre. Hérésie. Hérésie, chers amis, hérésie. Je vais quand même prendre une de vos... Merde, je vais quand même prendre une de vos loupiotes, pardon. Hop, vous aviez... C'est quoi ça? D'accord, ok, un pistolet. Pourquoi pas. Votre coffre, il est moche. Quand même prendre ça aussi, ça peut être sympa si je veux faire un feu de camp ou n'importe quoi. Hop. Et là-dedans, il n'y a rien. Oui, je m'intéresse à aux bibliothèques. Compte sur moi. Tiens donc. C'est que ça pourrait être sympa, ça. Alors. Si, je vais prendre ça aussi, je crois. Non, c'est une torche normale. Parfait, bah maintenant je suis au courant. Ça, j'en prends une. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pile de bouquins. Ici. Ah, un codex. Parfait. Oh. Je les lirai une fois je les aurai traduits en... moi-même, pas en direct, vous savez très bien à quel point je suis mauvais. Même si je sais que ça vous plaît que je sois mauvais. Voilà, bonne carving, cette fois j'y pense. Vide, vide, vide. Vide. Pourquoi je cherche encore là-dedans? Et je vais en prendre la deuxième, chers amis, des fois que l'un d'entre vous ait vraiment besoin. Ce qui va me permettre en fait de le scanner, tout simplement. Encore un codex. J'ai bugué, enfin c'est moi personnellement qui ai bugué, c'est pas le jeu, c'est dans ma tête que ça a bugué. Ok, 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 ok. Putain de Floran. Alors, un bouclier. Pourquoi je fouille encore dans ces trucs là? Je vous le demande. Rien. Un codex. Donc là y'a rien. Bla, je me trompe de touche. Ok. On y va. On y va. Oui, oui, ferme-la. Pour l'instant, je suis gentil, alors fermez-la. C'est vous qui l'êtes pas, par contre, apparemment. Intruders! Oui, oui, ça m'a aussi traversé l'esprit de le tuer. Là, comme ça. Hop les. Hop, hop, hop. Rien de bien intéressant. Ici nous avons une bestiole étrange. Rien d'autre. Encore hein, une espèce de pyramide. Si elle n'était pas vide, ce serait presque intéressant. Arbla.
Encore une de ces structures à la con. Dis donc, c'est profond ce trou. Oula. Bon, j'en connais peut-être une connerie de faite. Ah, normalement, on trouve des cultistes à ces pieds-là. Enfin, à ces trucs-là. Au pied de ces trucs-là. J'arrive même plus à parler. Il devient complètement attardé. Raté. Même ça, je crois que c'est pas suffisant. S'il me semblait. Alors. Oh, oh. Tombe dans le trou, tombe dans le trou. Non? Hop. C'est moi qui voudrais sortir, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi je peux pas le récupérer celui-là? Bon, apparemment je peux pas. Veux pas. Ah, un petit fort comme ça. Oh, il y a clairement quelque chose. Alors. Génial. Marrant, j'entendais à ce qu'il y ait plus de pièges toujours en fait. Faut que je remonte avec une corde, c'est moins bien. À que bout. Là aussi, normalement. Mais non, je vais pas mettre une corde pour ça. Je vais fermer la porte. Ah bah non, même pas. Non, je vais garder la porte. Allez, pourquoi il veut pas. Ah, je suis plein niveau meuble, non? Ouais, c'est ça. Ah ah, j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que je vais virer? Les trucs en bois, je ne peux pas les prendre. Enfin, je ne peux pas les... Enfin, je me comprends. Voilà. Hop. Un coffre. Du kiwi. C'était la seed ou c'était le... Kiwi seed. Ah oui. Oui. J'aime le kiwi. Ah oui, bah du coup, oui. Oui. Ça se comprend. Voilà. On va te rentrer sur le vaisseau parce que je suis plein. Hop, de quoi faire des torches. Je veux que de savoir ce qu'il va me demander pour faire le truc halogène. Alors. Hop. Oh. Bonjour. Je vais devoir faire des trous, malheureusement. Voilà. Alors, il doit y avoir des codex quelque part.
Alors. Non. Alors, ça c'est bon. Ça, je vais le prendre aussi, malheureusement. Il le faut. C'est pour une quête. Et je ne sais pas quoi prendre. Ça, je peux virer parce que comme les trucs en bois, je n'y ai pas accès. Alors, celui-ci, je l'ai. Oui. Du coup, ça me les garde quand je fais ça, non? Ouais. Il va falloir un globe aussi. Qu'est-ce que je vais virer pour récupérer le globe? Ça, faites quand? Je suis plus à 15 pixels près maintenant. Un pauvre bouclier, je l'utilise pas moi personnellement. Ça, j'aimerais beaucoup le prendre. Mais je n'ai pas la place sur moi. Alors, je sais que je devrais virer des trucs floranes, mais bon. Il en faut bien pour la recherche, chers amis. Hein. Ça, je les ai mis, je crois. Ah, un vendeur. Non? Et alors tu viens? Tu veux bien venir me vendre des trucs? Follow me to Meister. Ah, c'était lui, d'accord. Oh, ah oui, on peut vendre des choses aussi. Si je veux vendre ça, zéro. Zéro. Hop. J'avais complètement zappé qu'on pouvait vendre des choses, chers amis. Ça coûte combien ça? 5. Ok, bon, on verra bien le moment venu. Glitch Toilets. C'est joli. Knave Breastplate. C'est sympa tout ça. Ils vendent des choses intéressantes, dirons-nous. Voilà, je vais acheter ça par exemple, comme ça je peux la crafter maintenant. Parfait, 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 parfait. Les torches, je vais les prendre. Ce qu'il y a là-haut, non, ne m'intéresse pas. Alors, la porte. Là-haut, là, il y a ça. Mais y'a rien dedans. Y'a rien dedans. Alors. Apparemment la ville est assez balèze. Oh, on change de biome. Ça c'est intéressant. Hop. Alors, je te suis, l'ami. Ok. Quelques épées. D'un style très particulier, d'ailleurs. Pas intéressé, désolé. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un codex que je connais déjà. Hop là. Donc, tous les objets, malheureusement, je vais pas les prendre. Hein. Alors qu'il y en a un paquet que j'aime beaucoup dans ce
dans ce village, vous le savez. Alors, continuons. Ah, un vendeur d'équipement. Qu'est-ce que tu me vends? Je l'ai déjà. Pas intéressant. Les shotguns. Donc non, pas intéressant, désolé. Merci quand même. Welcome to my store. Non mais reviens. Mais reviens. Reviens. Oh, elle est jolie celle-là. Elle est extrêmement jolie. Bon, alors, moi je vais récupérer ça, parce qu'avant qu'ils me le prennent. Voilà. Je sors. Et chers amis, il faudra qu'on parte à droite pour le prochain épisode. Je remonte parce que comme je suis complètement full, ça vaut pas le coup. Donc. Salut l'ami. Donc. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Au niveau des guns, on verra. Ça je pose. Il faudra que je fasse tout ça. Bon bah écoutez chers amis, on va se laisser là. Moi je vais pas vous embêter avec tout ce 3D print. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom si vous le souhaitez. Pour tout simplement connaître ma communauté et pourquoi pas participer donc, sur le serveur quand il sera mis à jour pour cette version de Starbound. N'hésitez pas si vous souhaitez aussi à vous abonner, hein. Moi je propose plusieurs vidéos par jour, donc de l'ordre de 3 vidéos avec des nouvelles séries qui arrivent dès le 1er septembre. Donc encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.